to my computer. Oh. Okay. Good. Thank you. The English one, Eric. Let me just, I'm going to go over into the English room. I've got the French recording going now. Good. Thank you. I just got another registration, 702. Okay, so let me know when the English started and then I'll... who's doing the English? Oh, recording? I'm doing the English and I'm recording, so go ahead. Okay. Whenever so you're ready. I'm going to turn off the waiting room and admit all. And then once everyone's in, I just start talking. Oh. And I'll stay muted. Hello, everyone, and welcome to this live event for the 40 Days of Engagement on Anti-Racism. We are glad that you're here. My name is Adele Halliday, and I work at the National Office of the United Church of Canada as the Anti-Racism and Equity Lead Staff, and I am among the many who worked collaboratively to bring together this 40-day program. I would note as we begin that this event is offering simultaneous interpretation between English and French, and my colleague Eric will explain a little bit about that. Hello and good evening. I just to let you know, for those of you who may have not used the simultaneous translation feature in Zoom before, if you run your finger across your screen, you'll find a little globe that offers you the interpretation symbol. If you click on that and choose the language that you wish to hear at all times, you will never have to do another thing throughout the meeting. When French is spoken, you'll hear it in English, if you've chosen English, and vice versa if you've chosen French. If you understand both languages, you don't need to use the interpretation module at all, but know that you can do that right off the bat. Alors, bonsoir et bienvenue à tout le monde. On vous encourage d'utiliser autant que possible votre fonction d'interprétation. Les traducteurs sont présents et seront capables de faire la traduction vers l'anglais. Si vous avez choisi l'anglais ou le français dans le globe, c'est ça que vous allez entendre tout au long de sens naturel ou autre. Alors, c'est comme ça que ça peut... ça peut fonctionner. Just to let Stephen know, it appears the translators are blocked and that the translation doesn't seem to be working quite yet. So maybe we can leave it with you to deal with the technicalities of that. Let me look into that. Thanks. Great. Thank you, Eric. Merci beaucoup. So tonight we're here for this very first 40 days live event featuring Desmond Cole. But just a few details before we hear from Desmond himself. The first thing is to introduce the 40 days of engagement on anti-racism. And this is a 40-day program designed by us in the United Church to create opportunities for people across the church to delve deeply into exploration about anti-racism. And each day during the 40 days, with the exception of Sundays, will feature written content with opportunities for learning, faith reflection, and action. There are okay, on mute. 40 day live events. This is the first. They will be right. Bon, c'est le premier des événements qui se dérouleront les mardis à 7h, heure de l'Est. Alors, j'espère que vous serez des nôtres pour des événements futurs aussi. Et il y a un bulletin qui vous donnera des informations à jour en anglais sur le programme. Eric va parler un peu plus des ressources qui existent en français.
Alors, par rapport à ce qui se passe cette année pour les 40 jours contre le racisme, l'Église commence évidemment à faire une activité comme ça en anglais et en français. Et à la toute fin des 40 jours, on aura aussi une assemblée, rassemblement pour parler de la musique et de chanter ensemble en anglais et en français. Ça va être bien amusant. L'autre chose, c'est qu'il y a plusieurs ressources à partir des 40 jours contre le racisme qui ont déjà été utilisées l'année dernière et d'autres qui vont paraître aujourd'hui que vous pouvez trouver sur le site web de l'Église unie. Alors, je mets tout de suite un lien qui vous apporte à des ressources pour parler du racisme et qu'on a comblé et qu'on a retrouvé du côté francophone. Alors, vous pouvez trouver une bonne partie des ressources qui ont été traduites l'année dernière, ainsi que les ressources que vous allez trouver pour cette année. Et je passe la parole à Adèle. And over to Adèle. Great. Alors, nous sommes sur le point d'entendre notre conférencier invité. Desmond va parler pendant quelques temps, mais on veut plutôt avoir une conversation. N'hésitez pas à utiliser la fonction chat pour faire part de vos observations, poser des questions ou partager. Je me permets maintenant de présenter Desmond. Desmond Cole est journaliste, militant et auteur. Il a passé la dernière dizaine d'années à faire des reportages et des commentaires sur la politique et la justice sociale. Il s'intéresse particulièrement à la lutte pour la libération des personnes noires au Canada. Ses réalisations comprennent 10 ans de couverture d'actualités locales et nationales, 5 ans à la radio, chez News Talk 1010, une chronique d'opinion qui bouscule pas mal au Toronto Star et un article de magazine. Il est l'auteur du livre à succès Skin We're In, A Year in Black Resistance and Power. Et on peut l'acheter aussi à un coût escompté à la librairie de l'Église unie. Nous sommes très heureux d'accueillir Desmond. À vous la parole. Merci Adèle. Merci beaucoup d'abord de m'avoir invité à participer ce soir. Merci à l'Église unie. C'est un plaisir d'être là ce soir avec vous. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais discuter ce soir, mais j'espère que je vais pouvoir le faire avec vous tous et toutes. Alors, il y a la fonction chat et je l'ai ouvert pour que, au cours de la conversation, je puisse voir ce que les gens disent et je vais vous demander de participer à cette conversation parce que je crois que le son de ma voix, évidemment, est emballant pour moi, mais ça pourrait vous ennuyer au bout d'un certain temps si je ne fais que vous parler pendant longtemps. Je ne veux pas faire ça. Je veux qu'il y ait une conversation, je veux interagir avec vous, prendre vos questions, mais pas seulement prendre vos questions, je veux écouter les commentaires et les réactions des gens, choses que les gens veulent contester, si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses que je peux dire, ou si vous avez une autre opinion. Je n'hésite pas du tout à aborder les sujets difficiles qu'on va aborder ici. Et évidemment, s'il y a quelque chose de discriminatoire ou d'abusif, il faut éviter ça. Mais sinon, je veux qu'on ait une conversation entièrement ouverte. Et je vous invite tout le monde à participer le plus possible. Avant d'ouvrir la discussion à tout le monde, et je vais quand même avoir l'œil sur le chat au fur et à mesure, j'ai quelques notes sur les choses que je voulais aborder au début. Et je voulais commencer à parler de participation. Je vais poser une question
On est assez nombreux, on est 130 déjà. Et je vais poser une question à propos de la prise de risque, parce que c'est au centre de ce que je vais dire ce soir. Mais je veux que cela ait un sens pour vous et qu'on réfléchisse collectivement à ce qu'on entend quand, ou ce qu'on ressent quand on parle de prendre des risques. Alors, pensez à vos vies, à vous en ce moment, et dites-moi dans le chat, et pas besoin d'aller dans le détail, de fournir des détails personnels, pas maintenant ni plus tard ce soir, mais en général, si vous pensez à votre vie, pour qui êtes-vous prêt à prendre des risques? À propos de quoi êtes-vous prêt à prendre des risques? Et peut-être aussi, pourquoi est-ce que vous êtes prêt à prendre des risques dans la vie? Est-ce que ça pourrait être des choses, peut-être que vous prenez des risques déjà, donc lesquels? Ça pourrait être hypothétique aussi. Si telle ou telle situation devait se présenter, je serais prêt à risquer mon temps, risquer mon énergie, peut-être même ma sécurité ou mon confort. Et qu'est-ce qui résonne pour vous quand je pose cette question dans vos vies à vous? Qu'est-ce que vous êtes, qui dans votre vie êtes-vous prêt à propos de qui êtes-vous prêt à prendre un risque, à propos de quoi? Alors, je commence à voir quelques réponses. J'y ai pensé un peu avant de vous poser la question et j'ai deviné ce que la plupart des gens diraient en pensant à ce que je dirais moi-même. Et je me dis, la plupart des gens ont un certain nombre d'idées qui viennent immédiatement à l'esprit. Et la première chose que je vois ici, c'est les familles. Mon fils, parce que je l'aime, ma famille immédiate, des clients et les gens avec qui je travaille. Quelqu'un dit, je prendrai le risque de parler à des gens qui ont des avis contraires à propos de l'itinérance. Ma famille, la plupart des gens, s'ils ne font pas mal aux autres. Quand j'entends Dieu m'appeler, je suis prêt à risquer ma santé et ma sécurité pour à peu près n'importe quoi. Ça, c'est une réponse intéressante et c'est pour ça que j'ai dit qu'on peut poser ça de manière hypothétique parce que ce n'est pas nécessairement quelque chose d'immédiat ou de réel dans notre vie en ce moment, mais aussi on devait être appelé par notre religion, notre foi, par nos opinions politiques ou notre conscience que nous serions prêts à prendre ces risques. Je vois beaucoup d'autres réponses à propos de la famille, les gens que j'aime et qui sont les plus importants pour moi dans le monde, ma famille, enfin ma famille. Je vois quelqu'un, ça doit être quelque chose de très personnel. La Palestine, le Cachemire et l'anti-impérialisme. La famille, la réconciliation. Les gens sont pour les gens qui ne sont pas encore nés, parce que je n'arrive pas à comprendre la façon dont les gens se traitent aujourd'hui. Pour les gens qui sont sans voix, quand je vois de l'iniquité, les gens qui ont des problèmes de santé mentale, ce sont de nombreux sujets, de nombreuses idées que j'ai imaginées, mais quelqu'un dit offrir le leadership et souvent risqué. Merci tout le monde d'avoir répondu à ma question. Je crois fondamentalement que le prise de risque est la clé de notre libération collective. Moi, j'écris à propos de la libération des Noirs et je lutte pour cette libération. Je considère que cette lutte dans laquelle je suis engagé dans cette vie, d'être beaucoup de choses, mais une des choses importantes, c'est une lutte pour ma libération en tant que
personnes noires et pour la libération de toutes les personnes noires, où qu'ils vivent dans le monde, quel que soit leur sexe ou leur genre, leur orientation sexuelle, leurs opinions politiques ou le lieu où ils vivent. Je crois aussi que je suis engagé dans une lutte de classe aussi. C'est une autre façon pour moi d'identifier ce que c'est que la libération pour nous. Je crois à l'idée de pas de guerre, sinon la guerre des classes. Les gens d'en bas n'ont pas lancé la guerre des classes. La guerre, c'est un mot méchant, mais quand vous êtes attaqué, vous devez vous défendre. Et il existe une guerre des classes qui se déroule en ce moment, mais nous, les gens d'en bas, ne l'ont pas commencé. Mais nous devons la livrer parce que nous sommes dedans. C'est le monde que nous avons hérité. Alors, je vois cette libération comme étant une lutte de classe, en plus d'être une lutte des races. Mais je pense que c'est impossible, à moins de prendre des risques. Et en particulier, il me semble que les risques sont nécessaires. Et ces risques doivent être non seulement au profit de ceux qui sont plus proches de nous, parce que, évidemment, je suis d'accord avec les personnes qui disent que je prendrai des risques pour ma famille, pour mes enfants, pour mon père, ma mère, pour mon cercle, les membres de famille les plus proches, pour les personnes qui travaillent avec moi. Je prendrai des risques pour les personnes marginalisées qui sont opprimées ou qui ont des problèmes de santé. Pour moi, nous devons prendre la prise de risque comme quelque chose de libérateur, d'émancipation. Et c'est parce que nous, et moi y compris, nous avons le privilège de pouvoir réfléchir à la lutte dans laquelle on se trouve tous. Il y a parce que la plupart des personnes qui souffrent le plus en ce monde n'ont pas le temps de le faire, n'ont pas les ressources, ils n'ont pas la paix d'esprit, ils n'ont pas un ordinateur pour réfléchir aux risques. Donc, nous devons avoir cette conversation comme un bénéfice pour nous tous, mais ce n'est pas le travail. Moi, j'ai écrit un livre. Le voici. Il y en a peut-être qui l'ont lu. Vous pouvez le lire. Et c'est vraiment c'est une façon de comprendre le mouvement de libération des Noirs au Canada, dans ce pays. Et aussi la façon de reconnaître le colonialisme. Moi aussi, je suis là au Canada, sur un territoire non cédé des Wendat, des Mississauga, des Premières Nations. Il n'y a pas de libération noire à moins que je sois en solidarité avec ces personnes-là qui sont là depuis des milliers d'années et que je me pose, que j'ai une posture devant les traités qu'on leur a imposés. Donc, ma position, c'est de lutter aussi contre le colonialisme. Et ça prend des risques pour progresser dans ces dossiers. Nous pouvons avoir les conversations qu'on a ce soir et c'est fantastique, mais les gens sont abusés. On les met en prison. Ils sont exploités du point de vue dans le travail. Il y a des gens qui vivent dans les rues partout dans ce pays. Et le fait d'analyser, de parler de tous ces problèmes, ça ne va pas le faire arrêter. La façon de procéder, c'est d'être conscient que nous devons prendre des risques pour ces gens-là, même si ça, ils ne font pas partie de nos familles, de nos collègues, de nos proches.
nous devons avoir un panorama beaucoup plus ample, c'est-à-dire pour qui on lutte et pourquoi on lutte pour eux. Nous vivons dans une époque d'alliance. Ça me dérange un peu. Je sais ce que ça veut dire d'être allié, mais dans le contexte de la discrimination raciale, je fais partie de ceux qui luttent contre le racisme contre les Noirs. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui se disent, moi, je ne suis pas noir, donc je ne suis pas dans leur lutte. Mais Desmond, toi, tu luttes pour ça, mais tu sais, tu peux me joindre. Je vais regarder ce que tu fais, je vais t'encourager. Mais en fait, je ne vais pas lutter pour toi. Alors, moi, je ne veux pas d'alliance. Moi, je veux des gens qui sont prêts à faire des sacrifices pour la libération des Noirs. Donc, les alliances, c'est une notion, c'est-à-dire une façon de se placer en arrière. On voit les gens lutter, mais on est alliés, mais on ne lutte pas pour eux. Et il me semble qu'on devrait passer outre cette notion d'alliance et parler davantage de prendre des risques comme vous le faites ou vous le pensez pour votre famille. La camaraderie. Moi, je vois un camarade d'une façon très différente que d'un allié. Des co-conspirateurs. On ne veut pas des alliés, on veut que quelqu'un qui va conspirer avec nous, qui va prendre un risque avec nous, qui sont prêts à lutter pour nous. Et en même temps, conspirer, parce que nous vivons dans un système oppressif. Et donc, il faut pouvoir conspirer pour pouvoir lutter, parce qu'il faut penser que ça nous affecte de la même façon que ça affecte les autres, mais ça nous affecte aussi, parce que lorsqu'on fait partie d'une lutte, c'est très différent que d'être allié à une lutte. Nous vivons dans une ère d'individualisme. Et je trouve que l'individualisme dans un pays comme le Canada, qui est un pays soi-disant riche, je pense que cet individualisme brouille un petit peu notre point de vue. Moi, j'ai grandi dans un milieu chrétien et j'ai fait mes études primaires et secondaires dans une école catholique dans l'aire métropolitaine métropolitaine de Toronto. Je connais un petit peu sur la Bible, sur la foi, mais je ne suis pas un chrétien qui pratique. Cependant, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire d'être chrétien dans ces pays avec ces mantras d'individualisme qui est tellement profond et qui partout dans ce pays. Parce que je sais que la foi, c'est une pratique collective, et je sais qu'il y a très peu de pratiques collectives dans notre façon d'être individualiste. Comment est-ce qu'on va pratiquer notre foi? Est-ce qu'on le fait de façon individualiste? En fait, l'individualisme vous décourage de prendre des risques. L'individualisme dit, est-ce que cette personne vaut la peine pour que moi, je prenne des risques, pour que je m'en préoccupe? Et je peux vous dire qu'à partir du moment où on y réfléchit, on peut se rendre compte qu'on a des idées, des notions qui nous limitent.
Parce qu'à un moment donné, on va se dire, oh, ça va me prendre du temps, ça va m'exposer à des risques, les gens vont me voir, quelqu'un va me dire, peut-être que quelqu'un va me mettre en cause. Et vous savez quoi? Il va falloir que je me regarde. Et vous savez quoi? C'est vraiment très, très bien de pouvoir se regarder, s'auto-analyser pour savoir. Parce que l'individualisme nous a dit que la chose la plus bénéfique, c'est d'être égoïste. Et moi, je vois ça partout. Alors, je considère que la foi nous amène à faire des choses, la politique nous amène à faire des choses, mais il faut tout de même se rendre compte qu'on vit dans un monde que s'il faut faire quelque chose, il faut le faire tout seul et à ce moment-là, on devient héros et que si on le fait avec des gens, les gens ne font pas la différence et il faut vraiment pondérer toutes ces choses-là. Ce livre que j'écris, The Skin We're In, A Year of Black Resistance and Power, c'est un livre qui parle justement de la prise de risque. Et pour ceux d'entre vous qui lu et que vous en parliez, qu'est-ce que vous diriez à propos du livre? Moi, je dirais que l'auteur du livre le voit du point de vue de la prise de risque. En tant que journaliste, en tant que quelqu'un qui a vu ce qui arrive aux gens de noirs dans ce pays et ces personnes qui font partie du Canada, du pays, d'un pays qui a des pouvoirs coloniaux. Alors, ce que les gens prennent de risques, il y a justement la prise de risque et la prise d'action. Alors, et c'est non seulement du point de vue pour travailler pour le noir, mais aussi pour les communautés autochtones. Et le voir comme, comme en se disant, voilà ce qui est arrivé à ma tante, à ma fille, à ma nièce, etc. Mais il faut, alors, il faut dire justement, il faut voir ce qui arrive aux gens dans le collectif. Et c'est vraiment de voir ce qui arrive à personnes de deux esprits. Et alors, lorsqu'on peut parler et voir ce qui arrive dans les commissions. Mais de quoi vous vous plaignez? Vous avez eu votre commission. C'est difficile de le faire. Mais je documente des cas de personnes qui l'ont fait parce que la commission ne faisait pas ce qu'elle disait qu'elle allait faire. Je documente le cas d'un artiste noir dont la galerie a été fait l'objet d'une descente de la police. C'est John Samuels. Je parle des gens qui l'ont soutenu aussi. Je parle des femmes dans le système d'éducation dont les enfants font l'objet de discrimination et qui ont décidé de se lever contre cette discrimination et qui ont été critiquées dans les médias. Certains d'entre vous se souviendront d'un cas il y a 6 ans, j'en parle dans le livre, mais en 2016, une fille au Mississauga s'est fait menotter à son école. Elle avait 6 ans, elle était noire. J'écris à propos de ça. Et aussi des gens qui ont critiqué la femme ou la mère comme si c'était à sa faute que la police a pénétré dans l'école et ont menacé leur vie. Alors, c'est ce qui est arrivé. Beaucoup de gens ont blâmé beaucoup de gens, sauf la police. Alors, cette mère a élevé sa voix contre ça. Et on nous invite tous les jours à regarder ce qui se passe passivement dans notre pays où nous avons le choix de non seulement de regarder, mais de réagir, de joindre notre voix à leur voix, de signer les pétitions,
Évidemment, ça ne s'arrête pas avec la lecture d'un livre. C'est là où ça commence, mais ce n'est pas la fin. Quels sont les sacrifices que nous sommes prêts à faire pour mener une véritable lutte de libération, une lutte anticoloniale, antiraciste, anticapitaliste? Et si nous ne sommes pas prêts à faire ces choses, ça va, je suppose, si, évidemment, le temps passe. Et on est là pour un bon moment, pas un long moment, mais on ne peut pas simplement se dire « Ah, j'apprends et je réfléchis éternellement ». La vie des gens subit les conséquences des systèmes injustes dans notre pays, le système pénitentiaire, nos prisons, où les occupants sont de façon disproportionnée des Noirs et des Autochtones. Les gens vivent les conséquences d'un système Bon, à l'époque, c'est terrible qu'on parle de pensionnats, des écoles où les gens étaient en pension, entre guillemets. Beaucoup d'enfants autochtones ont été ravis à leur famille et placés dans des écoles où on leur a privés. On les a privés de leur langue et de leur culture. Mais il y a plus d'enfants dans le système de garde des enfants aujourd'hui qu'il y en avait au plus fort du système des pensionnats. Et les enfants noirs ont été arrachés à leur famille et placés par ce système. C'est contre ces forces-là qu'on doit lutter. Et il faut pour cela être courageux, il faut aller au-delà du simple apprentissage ou de, bon, il faut se poser la question, est-ce que c'est juste ou est-ce que ça ne l'est pas? Moi, je sais que c'est injuste, et alors je peux me conforter en me disant, je ne suis pas un des méchants, mais qu'est-ce qu'on fait à propos de ça? Il y a une citation de la Bible, en fait. Moi, je sens que parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de traductions différentes des textes bibliques. Mais j'ai l'impression que les gens qui nous enseignaient quand on était à l'école ont pris une version plutôt diluée de Luc 14, 26. Quelqu'un vient, c'est Jésus qui parle, il dit, c'est les évangiles, et il dit aux ses disciples, si un homme vient vers moi et ne haït pas les gens autour de lui, il ne peut pas être mon disciple. Bon, une autre disciple. On ne peut pas être mon disciple à moins de m'aimer davantage que vous n'aimiez vos frères et vos sœurs, votre mère et votre famille. Vous ne pouvez pas me suivre à moins de m'aimer plus que votre propre vie. C'est assez radical, n'est-ce pas? Mais je le crois. Et je vois à quel point ce niveau de discipline est important pour une lutte révolutionnaire, si on veut s'y engager. Peut-être qu'il ne voulait pas qu'on entende le mot « haine » de la bouche de Jésus, et c'est pour ça qu'on a éducoloré le texte quand on en a parlé à l'école, mais on peut comprendre ce qui se dit là, quelle que soit la traduction. Votre condition dans la vie peut-être vous placer en opposition par rapport à votre communauté, à votre famille, aux gens qui constituent votre communauté. Et pourtant, si vous voulez servir un but plus élevé, il faut se dresser contre les forces qui s'y opposent. Ce n'est pas hypothétique, ce n'est pas circonstanciel. C'est, d'après moi, ce que ça signifie s'engager dans une lutte de libération. Et je retire de mon foi que tout tourne autour de la nécessité de faire des sacrifices pour changer le monde. Bon, ceci étant dit, je veux ouvrir la discussion
je veux qu'on se parle. Il y a tellement de choses qu'on peut aborder ce soir. Je sais que les gens sont un peu partout. Je suis dans une grande ville. Certains d'entre vous ne le seront pas. Je suis dans un lieu multilingue et multiethnique. C'est une partie du Canada. Bon, Toronto, on nous le rappelle sans cesse, n'est qu'une partie du pays et ne peut prétendre représenter l'entièreté du pays. Mais ce soir, j'aimerais qu'on parle de ce que nous pourrions faire, de choses que nous aimerions faire davantage, de choses qui ne se passent pas, mais qui seraient importantes pour nous, de comment on peut se pousser pour aller plus loin en apprenant plus sur notre pays, sur son passé, sur le colonialisme, sur les pensionnats. Nous apprenons du cas de Violet Davis, Violet Desmond, qui a refusé de quitter un cinéma pour blancs seulement, mais on n'entend pas parler de la lutte pour la libération des Noirs au Canada dans son ensemble, parce que bon, on dit que ce sont des individus, bon, peut-être pas révolutionnaires, mais des gens courageux qui, un jour, qui s'élèvent et se disent non. Et les gens disent, bah oui, elle a raison. Et là, tout d'un coup, les choses changent. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais nous apprenons. Mais comment est-ce que nous appliquons ce que nous apprenons? Quelles sont les possibilités pour nous de le faire, où qu'on soit au Canada? Quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous vivons, les occasions qui nous permettent justement de prendre des risques réels. C'est de cela que j'aimerais qu'on se parle. Et j'ai une autre activité amusante que je voulais faire avec vous dans le chat avant d'aborder vos commentaires et vos questions. Je vais faire défiler un petit peu pour voir ce que les gens ont dit. Les gens ont été très canadiens, très polis, et ils ont pas mal écouté pendant que je parlais. Mais je veux faire une chose avec vous. Bon, j'ai lu beaucoup de choses sur les services policiers, et des fois, on me pose ces questions. Pourquoi est-ce que la police vous intéresse tant? Pourquoi parler autant de la police et des services policiers en général? J'aimerais répondre un peu à cette question, mais avant de le faire, j'aimerais affirmer que je ne suis peut-être pas la seule personne qui est très centrée sur la police et le service policier tout le temps. Je m'explique. Dans le chat, j'aimerais que vous mettiez le nom de toutes les émissions ou tous les films qui vous viennent à l'esprit qui est centré sur la police ou des agences du genre qui ressemblent à la police, des services d'enquête qui travaillent pour le gouvernement, les services frontaliers, ce sont des policiers aussi, les agents de sécurité des systèmes de transport et tout ça. Alors, pensez aux films et aux émissions à la télévision, et puis on verra ce que ça donne. Alors, NCIS, Brooklyn Nine-Nine, Law and Order, NYPD, Copland, The Rookie, le Coroner. Je n'ai rien répété là encore. Three Hard Cases, CSI, FBI, Cagney and Lacey, Hudson and Rex, Chicago Fire, Castle, 48 Hours, Paul Blart Mall Cop, un classique que nous aimons tous, Happy Valley, Midsummer Murders, ah bon sang, Barney Miller, Chicago PD, Blacklist, Good Cop, Bad Cop, Bon Cop, Mauvais Cop, ou quelque chose comme ça. Oui, c'était le film bilingue qui portait sur l'histoire de deux flics, un anglophone et un francophone. 911, Rescue 911 était une émission que je regardais quand j'étais jeune. Prime Suspect, Murdoch Mystery, Blue Murder,
personne n'a mentionné Paw Patrol. Ça, c'est quelque chose auquel je pense souvent. Beverly Hills Cop. Ah, les films de Bad Boys, de Will Smith et Eric Lawrence. Il y a aussi SWAT, Bergerac, Police Academy 1, 2, 3, 4, 5. On pourrait faire ça toute la soirée. Ah oui, New York Undercover était une émission que je regardais quand j'étais jeune. Ah, c'est bon. La moitié des films qu'on peut penser. Bon, Will Smith était un flic dans Bad Boys, mais il était également dans Independence Day. Independence Day commence avec l'histoire d'un flic. Je pense qu'il était à New York un jour. Non, non, ça c'était Men in Black. Ah, il est flic dans tous les cas. Arnold Schwarzenegger a été flic dans à peu près la moitié des flics qu'il a vus. Ou peut-être un militaire, les deux étant très liés. Alors, oui, j'écris à propos de la police réelle, de policiers qui surveillent nos enfants. Ça, ce n'est pas une émission à la télé. J'écris à propos de flics dans nos écoles qui surveillent et suivent certains enfants et qui font que les enfants ont peur d'aller à l'école. Ah, les gens disent, Desmond, vous êtes obsédé par la police, mais regardez ce que vous venez de faire en deux minutes. Lethal Weapon, Kindergarten Cop, Charlie's Angels, Die Hard. Notre culture est saturée de cette idée que la police est au centre de notre identité. 21 Jump Street, oui, bravo. Je suis d'accord avec vous. La police est presque une obsession de notre société pour une raison étrange. Et je pense que cette raison, c'est que bon, les différentes formes de services policiers, bon, la police P majuscule ou la police P minuscule, la police, c'est les flics, les gens en uniforme avec leurs armes, mais il y a aussi le petit P, les services de garde de protection de nos enfants qui volent nos enfants, les systèmes dans les écoles qui suspendent et expulsent les enfants, et les livres au système judiciaire. Robert Maynard a parlé du pipeline entre les services de bien-être des enfants et les prisons. Tout le monde devrait lire Robin Maynard, Policing Black Lives. Et ce dernier livre, Rehearsals for Living, je recommande très fortement ces deux livres. Robin est étonnante. Mais j'écris sur des choses qui arrivent vraiment dans notre vie réelle, dans ce pays. Ce ne sont pas des histoires fictives. Vraiment, la police des capitales, la police qui s'occupe des gens. Et vraiment, je suis quelqu'un qui est obsédé par cette idée de police. Parce que je vis dans une ville où le maintien de l'ordre est très, très fort. Nous avons des municipalités à travers tout le Canada qui dépensent entre 15 et 25 des budgets de leur municipalité dans les services des polices. Alors qu'il y a des problèmes de nourriture pour les enfants, de transport. Alors, toutes les initiatives qui sont pour la communauté perdent des fonds, alors que la police continue d'être subventionnée de plus en plus. Et peut-être que j'ai manqué de vous le dire. Une fois, j'étais très curieux à propos d'une émission. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette émission. Elle date d'il y a quelques années. Ça s'appelait Border Security, sécurité frontalière. Alors, c'était la Border Security Canada Frontline.
donc la première ligne du Canada en matière de sécurité frontalière. Ça a commencé en 1922. Et ça parlait justement de cette agence CBSA. Ils avaient leur propre programme de télévision où ils se montraient comment ils allaient arrêter les gens, les investiguer, leur questionner. Et la plupart des gens qui se faisaient arrêter n'avaient même pas idée de ce qui arrivait et ils savaient même pas, on leur avait même pas demandé leur acceptation qu'ils soient filmés pour ce programme. Bon. Et alors il y a eu à un moment donné plusieurs au Canada, à Vancouver, et ils sont eu demandé pour que l'on arrête cette émission, qu'on l'enlève, qu'elle ne soit plus diffusée. Il y avait dans cette histoire, par exemple, à un moment donné, un immigrant qu'on l'a mis devant la caméra. Imaginez que vous êtes en Colombie-Britannique et que tous les gens de votre communauté vous voient devant les caméras. Les gens de votre communauté ne savent pas pourquoi, savent pas, par exemple, pourquoi est-ce qu'il y aurait la police qui vous questionne. Est-ce que vous avez fait quelque chose de mauvais? Et voilà, c'est ça qui est arrivé. Moi, je vais vous donner une idée, par exemple, d'une idée de ces segments, de ces émissions-là. Le docteur Dog Whiskey, il fait une investigation, une enquête sur trois valises qui a de l'alcool. Et il mettait la liste des gens, de noms qu'il s'inquiétait, ce qu'il faisait, d'où il venait. Par exemple, il y avait l'histoire d'un Coréen qui allait visiter un pays, du pays pour voir, pour prendre des photos. Et qu'est-ce qu'on fait? On les prend dans la caméra et on les met en close-up. Et puis, ces gens-là n'ont rien fait. Mais ça y est, ils sont dans cette émission parce que c'était une reality show. Et ces policiers, ils s'enfuitaient. Et la CBSA disait que c'était une émission éducative pour qu'ils voient comment est-ce que la police frontalière s'est démenée et pour voir comment ils travaillaient. Ils ne voulaient pas savoir du point de vue de ma perspective. Par exemple, si moi, on me mettait, peut-être qu'on pourrait penser que j'étais arrêtée. Mais ils prenaient un point de vue, leur travail, comment ils le faisaient, et s'humiliaient les gens qui étaient filmés. Et il n'y avait rien que vous ne pouvez pas faire, parce qu'on vous mettait devant une caméra de télévision contre votre gré, et vous deviez subir. Alors, ce n'est pas juste une question américaine, hein, ce n'est pas une histoire américaine, ce n'est pas juste une question d'activisme contre le noir, ce n'est pas juste une question d'arrêter les subventions de la police ou des médecins en question. Pourquoi est-ce qu'on peut agresser les gens devant les caméras? C'est d'autres questions. Des questions, par exemple, si moi je me promène dans mon quartier et si moi je vois qu'il y a une bagarre dans la rue et je vois qu'il y a la police qui arrive et ses ressources qui arrivent là. Mais moi, aujourd'hui, je sais qu'il y a un déficit de 850 millions de dollars. C'est vraiment, ça fait peur d'écrire sur la police. Ça fait peur de prendre des risques sur la police. Et moi, j'écris beaucoup sur ce comportement de prise de risque dans mon livre. Mais c'est le seul moyen de montrer les options qu'il y a pour ceux qui souhaitent s'engager
dans la libération, dans la lutte de libération. Et ça ne veut pas dire que nous tous, devons faire les choses les plus risquées. Ça ne veut pas dire qu'on va aller s'enchaîner au poste des polices. Ça ne veut pas dire qu'on va aller aux bagarres de la rue puis défendre les gens. Ce qui est important, c'est de savoir quels sont les risques que vous êtes prêts à prendre. J'ai beaucoup parlé, peut-être beaucoup plus que je n'aurais voulu. Et là, maintenant, j'aimerais ça entendre vos voix. J'aimerais ça prendre vos questions. J'aimerais ça entendre vos commentaires. Apprendre un petit peu de ce que vous pensez, comment vous voyez cela à l'intérieur de votre propre communauté, à l'intérieur de l'Église. J'aimerais savoir s'il y a des choses que vous aimeriez voir changer, des changements, s'il y a des questions qui vous tiennent à cœur. Quel est, selon vous, le racisme au Canada? Pourquoi est-ce que c'est important de lutter pour la libération des personnes noires? Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une solidarité avec les peuples autochtones? Les gens qui ont lu mon livre, qui connaissent le travail que j'ai fait, vous pouvez parler, me poser des questions, commenter. Je serai très heureux de répondre. Ah, moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais prendre une gorgée d'eau en attendant vos questions. Hein? C'est une bonne idée. C'est bon? D'accord? Je reviens tout de suite. Some people are there saying, alors, il y a des gens qui disent qu'ils connaissent l'émission dont je vous parlais à propos de la police frontalière. Il y en a qui n'ont jamais entendu parler de ça. Je sais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'aime pas l'idée de quelque chose d'aussi cruel que ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cet exemple? On a identifié des gens. Il a fallu qu'ils aient cherché les gens et les mettre devant les caméras contre leur gré. Et peut-être il y aurait des gens qui pouvaient se prononcer contre ce genre d'initiative. Avoir de meilleurs rapports. Alors, par exemple, tous les sensationnalismes, la pédanterie, toutes ces choses-là, peut-être, c'est ça qu'il faudrait combattre, et parce que c'est ça qui est dans les grands titres dans les nouvelles. Et c'est ça qui permet d'avoir une émission télévisée de ce genre. Il y a Hersha Bolia qui faisait partie de Vancouver Time et qui était une de ces organisations plus importantes qui a défendu les droits des gens et qui s'est prononcée pour l'annulation, le retrait de cette émission des ondes.
Alors, puisque les gens, alors que ces gens de mission et que les gens, on ne leur demande pas leur avis ni leur consentement, je pense qu'il faudrait essayer d'arrêter ce genre d'exposition des gens pour qu'ils soient humiliés devant les caméras. Effectivement, le travail, par exemple, ne s'arrête pas avec les nouvelles qu'on entend, par exemple, de ce groupe-là qui a travaillé pour que l'on arrête cette émission. Et même si c'est une victoire, il faut continuer. Et c'est ce que je dis dans mon livre. Ce que vous pouvez considérer en tant que victoire pour, concernant l'arrêt de quelque chose de très nocif, d'abusif, bon, ce n'est pas là la fin. Ça, ce n'est qu'une partie d'une mission. Pourquoi? Parce qu'il faut continuer. Évidemment, il faut prendre des pauses, mais il faut... On ne peut pas dire qu'on va rentrer et sortir d'une lutte contre le racisme, mais que cette lutte-là se poursuit malgré le fait que nous, on arrête ou on renoue. Quelqu'un, mon fils, me dit qu'à chaque fois qu'il passe à l'aéroport Pearson, il s'est fait arrêter, on le questionne, on le pointe du doigt, on l'appelle. Et même lorsque j'étais avec lui, on ne m'arrêtait pas moi, mais on l'arrêtait lui. Et moi, je peux dire que moi aussi, on me sélectionne, on m'arrête de façon... et j'essaie de les embarrasser parce que, par exemple, moi, ce que je leur dis, bon, bah, est-ce que c'est comme une de ces cartes à points, là, une fois qu'on m'arrête 10 fois pour la même raison, qu'on me signale et qu'on m'arrête, est-ce que je vais obtenir un prix, quelque chose? C'est ce que je leur dis. Mais en fait, il faut regarder l'ensemble. Quel est le travail qui se fait au Canada? Par exemple, on arrête beaucoup les personnes d'ascendance musulmane ou arabe. Combien de gens, savez-vous, qu'il y a des listes que le gouvernement garde et qui dit cette personne et celle-ci et c'est l'autre ne peut pas prendre l'avion? Non, non, parce qu'il s'est commis un crime. Non, personne ne dit qu'ils ont commis un crime. Tout simplement, on dit que vous représentez un risque. Alors, depuis déjà le 11 septembre, il y a plusieurs personnes qui ont été signalées. Je connais quelqu'un qui, à cette époque, avait un enfant de 7 ans et il ne pouvait pas le prendre en avion. Il ne pouvait tout simplement, il était banni. Alors, il y a toute une campagne qui a été lancée, pas d'enfants sur les listes d'interdiction de voler, pour contrer ça. Mais le problème avec cette campagne, c'est qu'il y a des adultes qui sont sur cette liste d'interdiction de voler. Une chose qu'on fait souvent, c'est qu'on fait appel à l'innocence des enfants. On dit, c'est terrible, n'est-ce pas, qu'un enfant de 7 ans soit sur une liste. Mais ce petit gars de 7 ans va avoir 18 ans un jour. Est-ce que ça va être terrible à ce moment-là ou est-ce qu'on va comprendre que le gouvernement se livre au profilage? On est profilé à l'aéroport, à l'épicerie. Moi, j'étais profilé par des voisins à ma porte, là où je suis. Les gens m'ont demandé, mais qu'est-ce que vous faites dans votre propre cour, par mes voisins? Alors, en tant que noir ou personne racisée, en tant que musulman, on est profilé tout le temps. Mais au-delà de ces gestes de discrimination individuelle,
il y a des systèmes entiers qui surveillent les gens. Et c'est plus facile quand on pense à faire des sacrifices et à organiser des choses. Il est facile d'entendre l'histoire de Gary et de son fils arrêté à l'aéroport. C'est terrible, ça ne devrait pas arriver avec votre fils. Mais c'est plus difficile de s'organiser pour dire « nous avons besoin de moins de sécurité aux aéroports ». Plus inquiétant, n'est-ce pas? Comme idée, un peu plus radicale peut-être, mais c'est vrai. C'est la vérité. C'est la seule orientation qui nous permettrait d'arrêter ces choses à l'avenir. Il ne suffit pas de se fâcher que moi, je me fais arrêter ou que le fils de Gary se fait arrêter. Il faut changer le régime et c'est là où ça devient inquiétant. Mais je crois que c'est le genre de travail qu'on a à faire. J'aimerais prendre un commentaire en français. Ça fait longtemps que je ne pratique pas mon français, alors je vais m'excuser à l'avance à Isaac, mais je vais faire de mon mieux. Apparemment, il y a des interprètes. Et ces éclaircissements, je constate une réalité au Canada, que ce soit les Premières Nations ou les Noirs. En effet, la tendance est de se référer au passé colonial ou raciste, et on semble vouloir corriger ce qui a été mal fait. Est-ce que ce ne serait pas une fuite en avant, un refus de poser des actes concrets en relation aux défis actuels? Comment faire face à la réalité avec ces défis réels et ne pas seulement chercher à corriger le passé? Wow! OK. Isaac, merci beaucoup. Pour moi, premièrement, c'est important de comprendre notre histoire parce que c'est l'histoire de nos pays, notre pays qui informe pour moi ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, on parle de l'histoire du passé colonial, par exemple, parce que la police, nos institutions comme les cours ou le gouvernement sont tous formés par notre histoire, notre passé. Nous sommes fidèles à la loi maintenant de notre pays, de notre endroit à cause de notre histoire. Ce n'est pas arbitraire. Le fonctionnement et la logique de nos lois même sont à cause de la colonialisme. Et je pense que si on coupe le passé et on essaie de commencer avec aujourd'hui, ce qui passe, c'est que les gens pensent que le racisme, c'est un produit de la haine personnelle. C'est un produit de un manque d'intelligence. C'est un accident, mais pas quelque chose qui fait partie d'un plan pour des centaines d'années. C'est important de comprendre le plan et comment nous avons arrivé ici. Alors, régler, par exemple, les injustices des écoles résidentielles, c'est impossible sans connaître l'histoire, sans comprendre que nous sommes en train, comme j'ai dit, de faire la même chose aujourd'hui avec le système pour les enfants. On prend les enfants de leurs parents jusqu'à aujourd'hui et on le fait plus qu'on avait le fait en avant. Alors, on pense que, OK, ces écoles, maintenant, elles sont finies. Il ne faut plus nous inquiéter, right? Mais
on répète la même chose avec un système qui a changé un peu, changé son nom, changé son titre, changé son branding pour apparaître plus tolérable au pays, au peuple, et on répète encore la même chose. Alors, pour moi, c'est important de comprendre, par exemple, que ce qu'on fait aux gens autochtones aujourd'hui n'est pas un accident, n'est pas à cause de juste un manque de pensée ou un accident. Les plans concrets que vous décrivez, les actes que nous devons faire maintenant, aujourd'hui, pour changer des choses, les gens sont en opposition de ces choses en partie parce qu'ils ne veulent pas changer l'histoire de ce pays. Alors, par exemple, on ne veut pas changer comment on enseigne l'histoire en école parce que le passé, il faut le préserver. Alors, on ne veut pas que certaines leçons soient incluses aujourd'hui. On ne veut pas enlever les monuments aux coloniaux qui sont ici au Canada parce qu'on veut préserver quelque chose du passé. Alors, pour moi, il y a un lien entre les choses qu'on demande aujourd'hui et le passé. Ça, c'est rien de nouveau. Mais on demande maintenant, par exemple, une réduction dans les budgets de la police. C'est une demande depuis des décennies à côté des gens noirs au Canada. Alors, il faut aussi il faut dignifier la contribution que les gens qui étaient en train d'abattre pour ces choses dans les 90, les 80, les 60, les 80, right? Il faut démontrer que nos demandes n'ont pas changé parce que nos conditions n'ont pas changé. Pour moi, ça, c'est le lien entre le passé et aujourd'hui. That's a lot of French for one moment, but in summary... Bon, ça, c'est beaucoup de français pour le moment, mais en résumé, je suis sûr que la traduction a été excellente. Peut-être que je me suis mal imprimé, mais la question portait sur notre passé et comment éviter d'être obsédé par le passé et de négliger le présent. Et ma réponse courte, c'est que les gens ont lutté pour ce pourquoi on lutte maintenant, depuis des décennies, et parfois depuis des centaines d'années, parce que les conditions n'ont pas changé. Il faut honorer les gens qui ont lutté et reconnaître qu'on n'est pas obligé de trouver des choses nouvelles nous-mêmes. En fait, ce sont des revendications qui datent d'il y a des décennies ou des siècles. Et que le régime ne veut pas céder parce qu'il ne veut pas que ça change. Alors, on n'a pas besoin de chercher des réponses. On les voit déjà. Combien de rapports y a-t-il sur la brutalité policière qui accumule de la poussière sur les étagères? On a 30, 40 ans de rapports sur la police qui tue des gens qui ont des problèmes de santé mentale, la police qui cible les sans-abri, les itinérants. Le travail était fait pour nous. Quand je réponds à la question d'Isaac de comment éviter d'être obsédé par des torts du passé, venons-en au présent. Pour moi, on ne peut pas faire la distinction entre les deux, séparer les deux choses. Il y a des gens qui ont lu les réponses depuis longtemps et
le pouvoir ne concède rien sans y être obligé. Kofi a sa main levée et je pense que je peux peut-être ouvrir le micro de Kofi. Voyons voir si ça peut marcher. Allez-y. Ouais. Je voudrais merci d'abord pour l'exposé. Je n'ai pas lu le livre, mais le peu que je viens d'écouter me permet de parler un peu. Mais je voudrais intervenir par rapport à une question qui est dans le chat. C'est de Jacqueline qui aimerait écouter les leaders religieux noirs qui travaillent, qui se sentent bien dans, quand ils servent dans une église coloniale blanche. C'est une question vraiment pertinente dans la mesure où le noir africain est un être culturellement entre guillemets déraciné. Il y a un de mes professeurs qui disait que l'Africain, c'est un Africain chrétien, est assis sur deux chaises. Donc, il y a la chaise noire africaine et la chaise coloniale chrétienne. Alors, c'est dans ce système que nous avons été formés, ou du moins formatés, dans une théologie purement occidentale. Et même dans le milieu africain, le problème se pose déjà parce que nous sommes obligés de chanter comme les Blancs jusqu'à un certain moment où la prise de conscience avec le mouvement négro-africain des leaders comme Aimé Césaire, comme Léopold Sédar Senghor et autres, les Africains sont arrivés quand même à faire la part des choses pour penser leur théologie. Maintenant, dans un milieu canadien, dans une église canadienne blanche, avec des Blancs et des Noirs, comment est-ce que ce leader peut satisfaire à la fois les Noirs qui ont leur culture et les Blancs qui ont leur culture? Ici, il ne s'agit pas de racisme, mais il s'agit de l'héritage que nous avons depuis des temps anciens. Alors, ça pose un vrai problème dans la mesure où, culturellement, il est difficile de s'exprimer dans la culture de l'autre. Mmh. Et c'est un problème actuel auquel on doit réfléchir ensemble pour voir si il faut vraiment créer des églises carrément ethniques ou bien des églises carrément blanches ou bien des églises mixtes avec une liturgie. Là, je pose un point d'interrogation. Yeah. De toutes les façons, nous arrivons quand même à nous défendre en tenant compte des sensibilités des uns, des unes et des autres, mais il reste beaucoup à faire pour mettre chaque individu à l'aise. C'est un constat. Oh, Kofi, merci beaucoup pour votre commentaire. Je vais continuer en anglais parce que je veux m'exprimer un peu comme vous avez dit, d'une manière qui est confortable pour moi. Alors, I will continue in English, but I just want to say to Kofi's comments here that there really are challenges, cross-cultural challenges, linguistic challenges, social challenges. Il y a effectivement des difficultés au niveau linguistique du fait qu'on appartient à de différentes communautés. Ça dépend d'où nous sommes nés, où est-ce que nous avons été élevés. Et c'est l'observation que je veux faire. Et je suis d'accord avec Kofi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit évoluer
dans des groupes qui sont beaucoup plus semblables. Pour moi, c'est un principe de solidarité. Et c'est là la question la plus importante. Parce que ça veut dire que nous ne venons pas tous du même endroit, de la même place, et qu'on n'a pas les mêmes histoires, mais qu'on essaie d'aligner nos valeurs, nos buts, et que cela implique la culture, l'ethnicité, la langue, tous les héritages qu'on a, et que nous sommes en train de faire avec ça quelque chose qui nous unifie et qui unifie nos différences. Et je vais me référer au mouvement Black Lives Matter. Alors, lorsque je parle de ce mouvement, je ne parle pas d'une organisation, parce qu'évidemment, les vies noires nous importent, sont importantes, mais il y a plusieurs organisations sous cette bannière, et justement, j'en parle, et je regrette de dire que ces organisations ont abandonné leur lutte anticapitaliste, antiraciale, et maintenant deviennent des narcissistes et qui servent leurs propres intérêts. Mais au départ, ce mouvement était très important, était très vaste. Et c'était important parce que c'était pas non seulement à propos des gens qui étaient noirs ou qui étaient différents, mais ce qui manquait là, c'était beaucoup de solidarité. Parce que les gens disaient, moi je pense pas que vous faites la chose comme moi je le ferai et je ne vais pas adhérer à vos valeurs ni à vos luttes. Et je ne pense pas qu'il s'agisse des façons, mais des principes. Mais parce que tous ces gens-là dont on a parlé ont été assassinés. Les gens ne se réunissaient autour d'eux, mais ils parlaient surtout de la brutalité policière. Et ils ont invité aussi aux gens qui n'avaient pas l'expérience de la brutalité policière, pour qu'ils joignent leur rang. Et il me semble que c'est très difficile de pénétrer les différences de langue, de racines, de culture. Et j'apprécie beaucoup votre commentaire, justement, parce que il faut réfléchir. Comment est-ce qu'on peut se compromettre en solidarité avec les gens lorsqu'on ne connaît pas leur expérience? Comment comprendre alors qu'on ne comprend pas? Comment est-ce qu'on peut accueillir ces gens lorsque on voit que ces personnes-là sont quelque chose, ils sont en quelque sorte rejetés dans ces espèces de multiculturalisme canadien. Il y a vraiment tellement d'éléments qu'il faut aborder, vraiment. Mais il me semble que là, il faudrait que je regarde un petit peu les messages dans le chat. Nancy dit, j'habite une zone rurale qui commence à regarder, à voir de près qu'est-ce que c'est que les gens qui viennent de milieux diversifiés. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de racisme envers ces gens. Est-ce que d'autres personnes qui sont dans des communautés éloignées sont en train de constater ce genre de situation? Merci, Nancy. J'aimerais ça entendre ce que les gens pensent. Moi, j'étais née en Alberta, Reindeer. Mes parents
sont allés réduire à la fin des années 70. Donc, mes premières années, j'étais là et j'ai parlé avec un ami qui était là durant les deux années de la pandémie. Renews est encore un endroit très petit, plutôt petit. Mais il y a beaucoup de mouvements politiques qui portent sur la notion des gens qui viennent d'ailleurs. Nous avons des problèmes de maisons pour les gens qui viennent d'ailleurs. Et il y a énormément de gens qui achètent des propriétés très, très chères, mais le problème de l'habitation, c'est aussi les problèmes politiques. On vit dans un pays où la politique se manifeste du point de vue de l'immigration. Ils sont contre l'immigration. Et ce mouvement nous a en quelque sorte appelés, nous tous, et ça cause des réactions anti-immigrantes, des sentiments anti-noirs, et aussi qui vont de la pair avec les sentiments qui vont contre les peuples autochtones et aussi les gens qui viennent d'ailleurs. Mon expérience vit à Oshawa, en Ontario. C'est en fait, si vous voyez, lorsque vous venez travailler à Ontario, on venait de cet endroit-là, mais là maintenant, on vient de beaucoup plus loin. Mais lorsque j'ai grandi, nous étions les seules familles noires qui habitaient cet endroit-là. Et je parle des années 90. Et les gens disaient que nous, on venait voler leur travail. Et à l'heure actuelle, les gens continuent à dire la même chose. Les gens qui viennent d'ailleurs viennent voler notre travail. Et je ne pense pas qu'il s'agit du passé de façon négative. Parce que si, à l'heure actuelle, si on commence à dire qu'il y a un sentiment contre l'immigration, ce n'est pas quelque chose de courant uniquement. Ça vient de loin. Et dans mon livre, j'en parle. Je parle des années 50, que lorsque les personnes noires sont arrivées, des femmes, ils sont venus pour travailler. Elles ne pouvaient travailler comme infirmières, elles ne pouvaient pas être mariées, elles ne pouvaient pas avoir d'enfants, elles ne pouvaient pas le faire parce que autrement, on les renvoyait dans leur pays. Elles venaient comme des travailleuses de domestiques. Alors, il y a aujourd'hui beaucoup de mouvements au Canada depuis déjà le mois de septembre. Je ne sais pas si vous les avez constatés dans vos régions. Il y a beaucoup de gens qui demandent un statut. Au Canada, par exemple, des travailleurs agricoles, des gardes d'enfants, des gens qui mettent la nourriture en boîte. En Alberta, par exemple, qui travaille comme à Brooks, Alberta. C'est plein d'immigrants qui viennent ici, qui viennent faire le rêve canadien et qui travaillent dans des conditions très dangereuses parce qu'il y a beaucoup d'institutions, de compagnies qui ne protègent pas le droit du travailleur, qui travaille sous des conditions très dangereuses, par exemple, ils n'ont pas les protections pour la COVID. Il y a beaucoup d'immigrants aussi qui n'ont pas un accès à l'éducation, des personnes qui sont discriminées. Et nous devons d'honorer leur statut, leur lutte. Il faut lutter pour ces personnes-là.
Il y a un podcast Streaked Live of Canada. C'est vraiment une ressource formidable. Merci beaucoup pour la recommander. Si vous voulez connaître un peu plus sur l'histoire colonialiste de ce pays, c'est un podcast qui est à la disposition de tous. On parle aussi, il y aura le 16, il va y avoir un événement de prise d'action dans lequel vous allez pouvoir participer. Il y a un lien qui nous a été proportionné par IMO. C'est dans le chat. Et c'est sur les droits d'immigration. Et c'est fantastique parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent ce qui se passe. Alors, que vous viviez dans une grande ville ou dans une petite ville, ce qui est important, de savoir qu'il y avait des endroits au Canada qui n'étaient pas exposés à l'immigration. Et alors qu'on se parle, il y a énormément d'immigrés qui vont partout au Canada et que, justement, on voit beaucoup des réponses racistes contre ces personnes-là. Et même si ce soir, vous quittez la réunion en vous disant « bon, ce n'est pas quelque chose, toutes les questions qui ont été exposées ici, ce n'est pas quelque chose qui m'affecte ou que je vois », mais non, moi, je peux vous dire, il faut se renseigner qu'est-ce qu'il y a à faire dans ces pays. Par exemple, les gens qui demandent la rétribution de leur pays, comme les peuples autochtones. Moi, je peux vous dire que 87% du territoire canadien appartient à la couronne anglaise. Les gens ont travaillé, par exemple, la royauté en Angleterre, il a fallu qu'ils voient leur mère mourir. Mais oui, mais il faut quand même se rappeler que le 87% du territoire appartient au roi Charles du Royaume-Uni. Hein, c'est vraiment quelque chose. Lorsqu'on demande qu'on nous rétribue le territoire, ça veut dire aussi de rétribuer les territoires non cédés des peuples autochtones, parce qu'ils n'ont rien à dire de ce qui se passe dans le territoire qui appartient à la monarchie anglaise. Hein? Il faut vraiment être clair. Il faut réfléchir à toutes ces choses-là. Je vais regarder un dernier commentaire. Pour finir, écoutez, je vais parler de la prise des risques pour finir notre réunion. It was here the whole time, of course. Je l'avais ici tout le temps, sans le savoir, bien entendu. Je voulais vous parler, si vous n'êtes pas au courant, je vous parlais de quelque chose qui est arrivé au mois de janvier cette année. En janvier de cette année, un homme appelé Moses Seré a été atteint par balle et décédé. Le balle avait été tiré par un policier de Toronto dans un stationnement. Ça, c'était au mois de janvier. La police n'a jamais dit qu'il recherchait Moses, qu'il avait fait quelque chose d'incorrect. La famille n'était pas au courant de quelque chose qui a mené à cet incident. Il n'était pas recherché par la police. Évidemment, ce n'aurait pas excusé
qu'on lui tire dessus et qu'on le tue. Mais l'enquête des enquêtes, le service des enquêtes spéciales a dit au mois de janvier qu'ils allaient faire enquête. On est rendu au mois d'octobre et l'unité des enquêtes spéciales ne nous a toujours pas expliqué pourquoi un de leurs officiers a tiré sur Moses et l'a tué. Ou si on va poursuivre l'agent de police en question. J'ai essayé de sensibiliser les gens pour faire une collecte de fonds pour la famille de Moses et je vais mettre le lien de GoFundMe dans le chat si cela vous intéresse. Si quelqu'un qui est présent avec nous ce soir, vous pourrez regarder Moses Wary, H-I-R-H-I-R-H-I, pardon. Je voulais attirer des gens, l'attention des gens là-dessus, mais je veux faire autre chose avec ça. Ça, c'est un homme noir ici qui a été tué par la police. Vous connaissez Trayvon Martin, Sandra Bland, des gens connaissent ces noms qui sont morts aux États-Unis, mais ne savent pas qui a été tué ici. Nous, le nom de George Floyd a été prononcé par le Premier ministre beaucoup plus souvent que Moses. Mais en fait, je ne me souviens pas d'une seule fois où le Premier ministre Trudeau a dit le nom d'un homme noir tué par la police au Canada, mais était prêt à s'agenouiller et poser pour la caméra et dire « je m'excuse », et puis il est passé à autre chose, comme si ça ne comptait pas. C'est Kate qui a trouvé le lien, à Brian aussi, merci beaucoup. Je vais vous donner une information avant qu'on ne quitte le GoFundMe, davantage d'informations sur Moses et le combat de sa famille, mais la famille a émis un communiqué il y a quelques semaines pour parler de la façon dont cette unité des enquêtes spéciales devait faire son rapport en dedans de 120 jours, 4 mois. Il ne faudrait pas que l'unité mette plus de 4 mois pour terminer son enquête et conclure. Et ça fait presque un an depuis la mort de Moses. La famille, par le biais de son avocat, a demandé qu'un rapport soit fourni. La réponse a été un silence étourdissant. La famille demande de l'information même d'ordre général de l'unité des enquêtes spéciales. Peu de choses lui ont été dites. Si un citoyen ordinaire avait tiré sur quelqu'un et l'avait tué dans de telles circonstances, quelqu'un aurait été accusé. Peut-être que l'agent de police sera inculpé, peut-être pas. Mais le retard mis à rendre compte à la famille et à porter des accusations est troublant, soulève des questions de favoritisme envers la police. Et c'est pour ça qu'on a créé l'unité des enquêtes spéciales au départ. Cette famille se montre très charitable envers une organisation qui a contrecarré toutes les tentatives des Noirs de chercher la justice depuis tant de temps. Ce sont des Noirs qui ont, se sont battus pour la création de cette unité dans les années 80, il faut le savoir. Et nous avons mené ce combat après que les gens, les Noirs ont été tués dans les années 80. Alors, l'unité a été créée et l'unité blanchit presque tous les agents de police accusés. Alors, la famille nous demande d'exprimer notre désapprobation pour ce retard dans des lettres à l'unité ou à son député local. Je vais mettre l'adresse de courriel dans le chat. L'avocat s'appelle Paul Slansky. Oups. Je change le réglage. Et comment est-ce que je fais ça pour l'envoyer à tout le monde? Voilà.
Ça, c'est le courriel de l'avocat et la famille vous demande de lui écrire pour exprimer sa déprobation à la Commission des droits de la personne de l'Ontario, à l'unité des enquêtes spéciales ou à votre membre du Parlement provincial. Je vais envoyer le communiqué au complet à Adèle. Mais avant de vous quitter ce soir, je voulais revenir à ce que j'ai dit au début à propos de prendre des risques. Comme je l'ai dit, marcher dans la rue, ce n'est pas l'unique façon de s'engager, de lutter, mais beaucoup de choses qu'il faut faire supposent qu'on prenne des risques. Il y a des gens qui se sont très mal à l'aise quand on leur demande de signer une lettre qui critique la police. Mais je veux être clair là-dessus ce soir. Il y a beaucoup de gens pour qui ça en soi est quelque chose d'inquiétant. Ah, est-ce que la police connaîtra mon nom? Est-ce qu'ils vont garder ma lettre dans leur dossier? Si j'ai besoin de la police et que je les ai critiqués publiquement ou privément, est-ce qu'ils ne pourraient pas user de représailles contre moi et ma famille? Ce sont des inquiétudes réelles que les gens peuvent avoir. Bon, ce n'est pas se tenir devant un policier dans une manifestation ou quelque chose du genre, ou être victime d'un tournage de l'émission dont j'ai parlé. Mais c'est quand même aller à l'encontre de l'ordre social qu'on a appris à obéir. Mais est-ce que vous pouvez sortir de votre zone de confort pour un jeune homme qui ne reviendra pas, avec qui personne ne pourra parler, que personne d'entre nous ne rencontrera, qui ne fera jamais partie de votre cercle d'amis ou de membres de votre famille? On disait que c'est pour eux qu'on pourrait prendre des risques au début. On ne peut plus le rejoindre dans ce royaume aujourd'hui. Mais est-ce que ça ne vaut pas prendre le risque pour que sa famille ait des réponses? C'est ça que je vous demande ce soir. C'est ça que je vous demande dans toutes les activités anticoloniales et anticlasses que vous pourriez faire à l'Église unie. Est-ce que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort, même si vous avez des questions à propos de votre avenir, pour le compte de quelqu'un qui ne reviendra pas? C'est ça qu'il faut pour avoir un changement réel. Alors, je ne peux pas faire tout le travail pour vous. Je peux vous donner son nom si vous voulez en savoir plus sur Movis. Vous avez le GoFundMe, vous avez le nom, et le courriel de l'avocat. Et votre lettre n'a pas besoin d'être un roman, même pas une page. Je ne peux pas vous dire à quel point ce serait important pour cette famille que vous écriviez une lettre et que vous envoyiez à M. Slansky, leur avocat, pour dire: nous avons entendu parler de l'histoire de Moses, ce retard est inacceptable, nous sommes aux côtés de cette famille qui exige des réponses. Trois phrases, c'est tout ce que vous avez à faire. Si vous voulez dire autre chose, vous pouvez le faire. Si vous avez une expérience semblable et vous voulez faire le rapport, faites-le. Si vous connaissez quelqu'un de votre communauté dont les droits ont été bafoués par la police, vous pouvez l'ajouter. Mais je vous demande de faire quelque chose, même si ça vous oblige à sortir de votre zone de confort, parce que c'est comme ça que, d'après moi, notre lutte de libération va continuer et réussir, à mon avis. C'est tout. J'ai beaucoup parlé. Merci à Adèle. Merci à tout le monde qui est resté jusqu'à la fin. Ça a été un très grand honneur de pouvoir m'adresser à vous ce soir. Et j'espère que nous nous retrouverons à un certain moment dans notre lutte de libération. Merci beaucoup. Un jour, on va faire une étude sur l'étrangeté de quelqu'un qui se tient seul dans une salle et se parle. J'en ai fait beaucoup. Mais dans la mesure où c'est une occasion de communiquer et de partager,
J'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, Desmond. On a beaucoup apprécié ce que tu nous offres comme outil très pratique pour être capable de faire face à ces choses-là. Et merci à vous tous d'avoir participé ce soir. Juste un petit rappel que les 40 jours commencent aujourd'hui. Alors, il y a encore beaucoup de travail à faire et je vous offre quelques ressources en français en même temps dans le clavardage. Et je passerai maintenant la parole à Adèle. Et encore une fois, merci. Great, and I'll add my thanks. Thank you so much, Desmond. Merci Desmond, de nous avoir parlé ce soir, nous avoir engagé, nous avoir poussé en dehors de notre zone de confort. Moi, j'ai affiché des choses dans le chat aussi, le nom du livre de Desmond. Si vous voulez aller chercher un exemplaire, vous avez un escompte à la librairie de l'Église unie du Canada. Et si vous voulez participer aux événements en direct des mardis, des 40 jours, ça commence dès ce soir. Si vous voulez vous inscrire pour le bulletin d'information pour être informé de ce qui s'en vient et pour un aperçu, un survol des 40 jours, vous allez trouver sur le site web. Merci à Desmond pour avoir pris le temps de nous avoir mis au défi. Bonne fin de soirée à tous et à toutes. Merci d'avoir été là. Et je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux.